sur l'île de Futuna, dans le village de Tavaï. Seila Genou y vit avec son mari et ses trois enfants. Leur maison est raccordée au réseau de distribution d'eau publique, mais cette eau est régulièrement inutilisable. Quand il pleut, quand il y a des fortes pluies, ben, on n'a plus d'eau. Et après, quand ça revient, mais l'eau est marron. On ne peut presque même pas faire le linge avec parce que c'est sale. Et puis, même la vaisselle. Hein. Pour faire à manger, ben, on est obligé d'aller prendre des bouteilles de magasin pour faire le riz, par exemple, ou pour faire le repas avec. Ce qu'on fait, on filtre en fait, pour avoir un peu d'eau un peu claire pour pouvoir faire quelque chose. Généralement, la famille consomme de l'eau en bouteille, mais en cas d'oubli, c'est celle du robinet qui est utilisée, ce qui inquiète Vainui, 10 ans, la fille de Seila. Ça me dérange de ne pas avoir de l'eau potable, parce que à chaque fois que je bois de l'eau sale, ça me démange un peu et aussi on peut attraper des maladies, donc ça m'inquiète un peu, quoi. Donc je préfère mieux avoir de l'eau potable. Des difficultés d'accès à l'eau potable rencontrées par la famille Genou, mais une problématique largement répandue à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Alors le projet Protège, financé par l'Union européenne et piloté par la communauté du Pacifique, accompagne les autorités de chaque territoire et met en place des actions pour sécuriser la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Face aux difficultés d'accès à l'eau potable, plusieurs communes des territoires français du Pacifique ont mis en place des plans de sécurité sanitaire des eaux, des PSSE. Ils ont fait suite à des directives de 2004 de l'Organisation mondiale de la santé qui consistaient en fait à dire que les distributeurs d'eau devaient de développer les Water Safety Plans. Donc les Water Safety Plans, c'était des outils qui avaient été à l'origine développés par la Nouvelle-Zélande, qui ont été reconnus par l'Organisation mondiale de la santé. Et son objectif principal, c'est vraiment d'assurer une maîtrise globale du risque sanitaire lié à l'eau du réseau, depuis donc la ressource en amont jusqu'au robinet du consommateur en aval. Dans le cadre de ces PSSE, le projet Protège accompagne des territoires dans leur mise en place d'actions pour fournir de l'eau potable aux populations. C'est notamment le cas sur l'île de Futuna. L'eau destinée à la consommation y est captée dans des rivières de montagne alimentées par les pluies. Elle est ensuite stockée dans des stations avant d'être distribuée dans le réseau. Mais à Futuna, l'eau n'est théoriquement pas potable. Alors l'eau stockée dans les bassins, pour l'instant, n'est pas traitée. Hein, et ça fait de plusieurs années où on n'a pas d'eau potable. Hein, donc ce sont des réseaux AEP, dits AEP, eau potable, mais qui ne sont pas traités. Il y a 3 stations de chloration, d'électrochloration sur Futuna, mais qui sont hors service. Alors donc on a de l'eau qui est distribuée, non, qui n'est pas potable au titre de la réglementation. Hein. Et il est vrai que pour la population, c'est un droit d'avoir de l'eau potable, et pour le distributeur d'eau, c'est un devoir. Alors donc dans le cadre du programme Protège, on a mis des actions en place pour essayer justement, au sein de l'ensemble des acteurs, d'obtenir dans les quelques années qui arrivent là, de l'eau potable. En attendant que cette eau coule du robinet, le projet Protège et le service territorial de l'environnement ont installé dans plusieurs écoles un dispositif pour que les enfants aient de l'eau potable sur leur temps scolaire, des fontaines à eau atmosphérique. Le fonctionnement des fontaines à eau atmosphérique, c'est très simple. Hein, c'est un peu le système d'une climatisation. Donc, il y a un compresseur qui capte l'humidité de l'air. Cet air, ensuite, est condensé dans le moteur. Et la condensation, sous forme de gouttelettes d'eau, est récupérée dans un réservoir. Donc, on a des taux d'hygrométrie ici qui sont très, très élevés. Hein, on tourne autour de 80-90% d'hygrométrie, donc c'est-à-dire d'humidité dans l'air. Donc, c'est pour ça que ces fontaines sont très bien adaptées ici. Et elles nous permettent de produire à peu près 30 litres d'eau par jour. L'eau est filtrée sans produits chimiques et minéralisée. Des gourdes en inox ont été fournies aux élèves par le projet Protège pour limiter l'utilisation de bouteilles en plastique. Est-ce qu'elle est bonne cette eau des fontaines? Elle est bonne? Oui. Vous la préférez à l'eau du robinet de la maison ou de la bouteille? En tout, 29 fontaines ont été installées dans les écoles de Futuna pour fournir de l'eau potable aux enfants et limiter les risques sanitaires.
Afin de sensibiliser ses écoliers aux problématiques de l'eau, le projet Protège a mis en place une mallette pédagogique. Qui boit de l'eau du robinet parmi vous? Levez la main. Alefosio Taugamoa est agent technique au service territorial de l'environnement. Il anime régulièrement des ateliers dans les classes avec cette mallette. Au-delà des questions de santé, c'est tout le cycle de l'eau qui est abordé, depuis son drainage par les bassins versants jusqu'à son arrivée au robinet. D'où vient l'eau ? D'abord, il y a la pluie, après, ça va dans la terre, après, ça va vers la montagne, après, ça va dans la rivière, après, ça va vers la mer, et après, ça va faire l'évaporation, après, ça va former des nuages. Une demi-heure d'échange interactif qui capte l'intérêt des enfants et renforce leur connaissance sur l'eau. Non, je ne connaissais pas tous les aspects de l'eau parce que je connaissais juste que l'eau n'était pas potable et que ça venait de la pluie. Mais sinon, je ne connaissais pas les autres cycles de l'eau. L'eau, c'est important parce que ça hydrate notre corps et aussi c'est très important de boire suffisamment pour vivre un peu plus quoi, et pour s'hydrater. C'est important de sensibiliser les gamins parce que c'est à travers eux qu'on pourra faire passer ces différents messages qu'on voudrait essayer de mettre en place ou de faire changer les comportements vis-à-vis de la population de Futuna. Dans le cadre du plan de sécurité sanitaire des eaux de Futuna, des diagnostics sont réalisés sur l'état de sa production. Face aux problèmes de potabilité, des prélèvements bactériologiques sont faits régulièrement pour contrôler la qualité de l'eau. Ils sont réalisés par le laboratoire d'analyse et de recherche appliquée. Une fois par mois, sa responsable, Karine Brunet, fait le voyage depuis Wallis. Elle est accueillie à l'aéroport de Futuna par Alefosio Taugamoa. Là, on part sur l'école de Sao Sao pour faire un prélèvement d'eau sur une fontaine atmosphérique. Donc, c'est ces fontaines qui ont été installées dans le cadre du programme Protège. Donc nous, tous les mois, on contrôle les fontaines pour s'assurer que derrière, la qualité microbiologique est là. Chaque prélèvement répond à des normes et une méthode bien précise. Sur les fontaines d'eau atmosphérique, Alefosio commence par stériliser le robinet qui distribue l'eau. Puis il prélève environ un demi-litre dans un flacon, lui aussi stérile. Donc là, on est en train de faire des mesures de vérification. On contrôle la température, le pH, donc c'est-à-dire soit si c'est normalement le pH de l'eau, c'est neutre. On contrôle aussi la conductivité pour voir si l'eau est minéralisée. Voilà, 5,89 et 14,6 température. Ce jour-là, 6 prélèvements seront réalisés à différents lieux de l'île, notamment sur les stations de stockage de l'eau distribuées sur le réseau public et destinées à la consommation. Une fois ces prélèvements réalisés, ils sont stockés dans une glacière, convoyés à Wallis par avion pour être analysés au laboratoire d'analyse et de recherche appliquée du service territorial de l'environnement. C'est Karine Brunet qui conduit ces analyses microbiologiques afin de détecter d'éventuelles bactéries. En bactériologie, on va rechercher donc les bactéries responsables de contamination fécale, donc tout ce qui est les coliformes, les entérocoques, et on va rechercher aussi les clostridium. Pour détecter ces bactéries, Karine a notamment utilisé la technique en filtration sur membrane. Il faut attendre entre 24 et 72 heures pour avoir des résultats précis. On va faire la lecture sur le bassin de Malahé que l'on a donc réalisé hier. Donc là, on va compter toutes les colonies bleues qui sont spécifiques des Escherichia coli.
Donc là, ce qu'on peut dire pour l'instant à 24 heures, c'est qu'on a encore des lectures à 48 heures et à 70 heures. Mais pour l'instant, sur la qualité d'eau des fontaines, on n'a pas présence de micro-organismes qui se sont développés à 24 heures. Par contre, donc, sur le bassin, hein, comme on n'a pas de traitement de désinfection de l'eau, eh ben, on voit qu'il y a développement de micro-organismes. Karine va multiplier ce type d'analyse dans le temps pour déterminer les points sensibles du réseau de l'île et contribuer dans le cadre du PSSE au suivi et l'amélioration de l'eau de Futuna. En Polynésie française, le projet Protège accompagne 6 communes dans l'élaboration de leur plan de sécurité sanitaire des eaux. C'est le cas pour l'île de Hō dans l'archipel des Tuamotu, le seul PSSE qui concerne un atoll. 720 km², pas de réseau d'eau publique, pas de rivière. Les 1300 habitants dépendent quasi exclusivement de l'eau de pluie. C'est le cas de Franck Absolol, qui possède un restaurant depuis 8 ans sur l'atoll. Pour se fournir en eau potable, Franck a installé un système de gouttière qui récupère l'eau de pluie et la stocke dans des cuves. Donc, l'entrée se fait par la gouttière, sur 20 mètres de long de toiture. La sortie se fait par l'aide d'un surpresseur, avec ce système-là de tuyaux. Le tuyau va directement au niveau de l'évier pour la vaisselle, ainsi que les WC, les toilettes qui sont situées au fond du restaurant. Grâce à ce système de cuve, Franck dispose de 10 000 litres d'eau pour son restaurant, la douche et les machines à laver, mais pas question de la boire. Là, quoi, quand tu bois l'eau de pluie, arrive un moment... Ta santé, elle en prend un coup, quoi. Bah, t'as la diarrhée, tu te sens pas bien, quoi. Parce que c'est quand même de l'eau qui... La tôle, il y a plus ou moins de la peinture qu'il y a dessus. Il y a les pigeons qui font ce qu'ils ont à faire sur la toiture. Après, ça coule dans la citerne, c'est pas filtré. Toi, tu la bois directement, t'as les larves de moustiques, toutes ces choses-là, bon. Arrivé à un moment, je pense que ta santé en pâtit, quoi. Pour l'eau de cuisson et de consommation, Franck doit se rendre dans le centre-ville de Hō. La municipalité y a installé 2 fontaines d'eau potable. Avec une carte, les habitants peuvent remplir bouteilles et bidons à raison de 10 francs le litre. Voilà. Ici aussi, c'est l'eau de pluie qui est collectée et stockée dans 2 cuves de 49 000 litres. Mais cette eau est rendue potable grâce à une station de traitement. Tokoroa Foster est agent technique à la mairie en charge des fontaines. Ok, nous voici au local du système de traitement d'eau. Okay. Par rapport à la vanne qu'on a vue, l'eau est acheminée jusqu'ici grâce à la pompe qui est traitée par de la zéolite tout d'abord, puis du charbon, enfin par de la minéralite ici. Suite à ceci, nous avons une pompe doseuse qui injecte du chlore selon les réglages et repart dans la cuve de stockage d'eau traitée, qui est ici. Une eau parfaitement potable, mais de nombreux habitants continuent à utiliser l'eau de leur cuve non traitée, comme le constate la maire de Hō. Peut-être parce que ce n'est pas encore dans les mœurs de venir à la fontaine, de se servir, ou soit c'est la distance de pouvoir porter les... Ils n'ont pas les moyens de venir avec... Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont rien, alors de porter ces bouteilles. Et puis, je pense que pour eux, d'acheter, de payer de l'eau potable, ce n'est pas vraiment dans leur encore dans les mœurs. Iseut Butcher et le projet Protège réfléchissent aux actions prioritaires à mettre en place prochainement dans le cadre du PSSE, comme sensibiliser les populations à utiliser l'eau potable ou sécuriser l'accès aux fontaines. Je vais vous donner un petit exemple tout simple. Nous avons nos bassins d'eau qui ne sont pas sécurisés. Il y a ça, alors maintenant, c'est de prévoir dans l'avenir qu'est-ce qu'il faut faire. Fermer les robinets, protéger ou clôturer autour de la fontaine déjà. Et c'est vraiment contre le vandalisme, hein, c'est ce que je veux dire un peu. Il y a ça, c'est d'identifier tous les problèmes qu'il y a sur l'atoll. Et c'est de ça, c'est pour ça qu'on prépare des copiles, on regarde, on discute et tout. Et là, petit à petit, on trouve des solutions. Des mesures pour sécuriser l'accès à l'eau des populations, d'autant plus urgentes qu'avec les effets du changement climatique, les périodes de sécheresse pourraient s'accentuer.
À plus de 1000 km de Ho, dans l'archipel des Australes, l'île de Rimatara, 8 km carrés et un peu plus de 800 habitants, qui bénéficie depuis 20 ans d'une eau traitée. Rimatara est l'une des communes pionnières de Polynésie française à avoir finalisé son PSSE avec l'aide de Protège. L'île est aujourd'hui dans la mise en œuvre des actions prioritaires, mais pour le maire Artigas Atitio, le PSSE ne coulait pas de source au tout départ. Quand il y a eu le premier comité du pilotage où tout le monde s'est déplacé pour nous présenter ce que c'est réellement le plan de sécurité sanitaire des eaux, moi personnellement, on ne voyait pas trop l'intérêt du plan sécurité sanitaire à ce moment-là du comité de pilotage, parce qu'on était au premier comité. Et c'est que par la suite, je me suis vraiment intéressé. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment une très bonne chose, le plan de sécurité sanitaire des eaux. Le réseau d'eau publique a été mis en place il y a près de 30 ans. L'eau est pompée dans la nappe phréatique alimentée par les pluies avant d'être stockée dans deux réservoirs comme celui-ci. Et là, on est au réservoir de Rautai. Là, j'ai retiré la trappe. Là, on peut voir l'eau qui est à l'intérieur. Le réservoir d'une capacité de 220 m3. Et ici, on a de l'eau potable, l'eau traitée. Et à partir de là, ça distribue après dans tous les foyers, dans les 300 foyers de Rimatara. Après trois décennies d'existence, le réseau a vieilli. L'une des priorités du PSSE, avec l'aide de la Direction de l'Environnement, du Bureau de Santé Environnementale et du Syndicat pour la Promotion des Communes, est de veiller à sa pérennité. En fait, le souci qu'on a ici, c'est ça date de 92. Il y a les écoutes du réservoir qui sont complètement érodées par l'air salin. Et avec la PSSE, on est en train de voir pour priorité 1 pour le remplacement des écoutes, pour mettre en état le réservoir. Les actions prioritaires, c'est l'achat, par exemple, d'un groupe électrogène. C'est la mise en place d'un bypass. La maîtrise foncière, parce qu'aujourd'hui nos installations sont construites sur des terrains qui ne nous appartiennent pas. Et tout ça, il faut absolument qu'on ait, à la fin de l'année 2022, qu'on maîtrise tout ça. Le PSSE recommande notamment de lutter contre les fuites du réseau qui peuvent représenter jusqu'à 50% de pertes. Objectif, préserver la ressource qui subit également l'augmentation de la population. À la nuit tombée, l'équipe du Syndicat pour la Promotion des Communes prend la direction de l'un des réservoirs de Rimatara. 22h30, c'est parti. On va faire nos prélocalisations de nuit, avec nos mesures de nuit. Des mesures qui se font de nuit lorsque le réseau est peu utilisé par les administrés. Les débits enregistrés seront ainsi très probablement ceux de fuite. Ok Mike, on peut partir pour la première mesure. Ok, ça marche. 40 secondes pour 100 litres. On remarque que sur deux ou trois secteurs, nous avons des pertes assez importantes. Sur le tronçon 8, là, nous avons une perte en eau assez importante. Donc demain matin, on ira sur cette zone-là avec nos appareils d'écoute pour localiser précisément la fuite. Autre objectif de cette mission, déterminer l'emplacement d'un bypass, un circuit dérivatif de l'eau qui permet de continuer à alimenter la population en cas de rupture d'un réservoir. Étant donné que les réservoirs sont assez vieillissants, ils ont été installés en même temps que le réseau, donc il y a un peu plus de 30 ans, les réservoirs, il y a un risque d'effondrement du réservoir ou un arbre qui peut effectivement venir détériorer le réservoir. Donc ça serait une perte de stockage et d'où la nécessité effectivement de pouvoir mettre en place un bypass. Sécuriser la production de l'eau et garantir la santé des populations. Sur l'île de Rimatara, les habitants ressentent les bénéfices de ces actions, surtout ceux comme Claudine qui ont connu l'époque sans eau courante. À l'époque, c'était très difficile. Et aujourd'hui, pour la nouvelle génération, pour la génération d'aujourd'hui, ben, pour eux, c'est plus facile. Même moi, on n'a plus à porter le seau, aller au bord de la route remplir quand c'était le robinet. Et aller, eh bien, avant,
prendre le seau, aller dans le puits et tirer le seau avec une corde, aller chercher l'eau dans le puits. Et c'est dur, c'est difficile. Hein? Par rapport à aujourd'hui, c'est plus facile. Avec ses PSSE et l'accompagnement de Protège, ces communes de Polynésie française disposent ainsi d'un plan de gestion des risques sanitaires des eaux parfaitement adapté à chaque contexte. En Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des communes du territoire sont dotées d'un PSSE, lancé dès 2008 à l'initiative de la Direction des affaires sanitaires et sociales et accompagné par tous les acteurs de l'eau. Ils ont permis de mettre en place de nombreuses actions et de dresser un diagnostic de l'eau de consommation. Selon le dernier bilan, c'est 266 unités de distribution qui composent le réseau d'alimentation calédonien, avec 62% qui bénéficient d'un traitement de désinfection, donc traitement qui est destiné à débarrasser l'eau de tout ce qui est germes pathogènes, que ce soit virus, parasites ou bien encore bactéries. Alors la majorité des risques sanitaires qui ont été identifiés par les PSSE, c'était des risques bactériologiques, donc dû à la présence notamment de bactéries d'origine fécale, comme les Escherichia coli ou les entérocoques, qui sont responsables de troubles gastriques. On avait également des risques sanitaires liés à la turbidité de l'eau, donc des risques qui sont dus au manque d'infrastructures de traitement, mais qui sont également dus au fait que la majorité des ressources en eau brute utilisées pour la production d'eau potable sont des ressources superficielles. Et en fait, ces ressources superficielles-là, du fait de leur configuration, elles se trouvent beaucoup plus exposées aux risques de pollution extérieure, que ce soit des pollutions fécales ou des pollutions liées au lessivage des sols lors des fortes pluies, par exemple. Face à ces risques, de nombreuses communes ont pris des mesures pour traiter l'eau distribuée à leurs habitants. C'est le cas de Thio, sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie. Bailly Waoni est le directeur des services techniques de la ville. Alors là, je vous emmène à Saï, l'un des grands réservoirs de la commune. Il fait 500 mètres cubes, qui dessert tout le village, le centre, le rive droite et rive gauche, ici ils appellent comme ça, avec les tribus en avant, là, Nakalé, Saint-Pierre, Saint-Paul et tout, pour voir comment la commune a investi pour la gestion de son eau et puis pour la rendre plus potable pour desservir l'ensemble de la population. La ville dispose d'une douzaine de réservoirs qui alimentent ses quelques 2500 habitants. Trois quarts de ces réservoirs sont équipés de stations de traitement, comme celui de Saï. La commune de Thio, elle a choisi le principe des captages et non pas des forages. Là-haut, c'est le captage qui est à 5 km. Et donc l'eau, le principe, c'est de capter l'eau à la surface, de faire venir ici, avant de rentrer dans le réservoir. Donc on a une unité de désinfection, de traitement, puis après, on les met en réservoir. Cette unité de traitement a été installée en 2015 dans le cadre du PSSE de Thio. Donc voilà, nous sommes dans la station de désinfection de l'eau. Donc l'eau, il arrive ici, il arrive par le captage ici, là. Il est traité ici par le système de chloration liquide. La javelisation, c'est au compte-gouttes, hein, donc c'est le javel liquide qui est là. Javel liquide. Donc on verse le javel liquide, là on voit qu'il est au-dessous de la moitié. Après voilà, par à-coup. Il met de la javel dans le... Il traite l'eau. C'est un traitement de toutes les, tous les microbes, les bactéries. Après, on a encore d'autres prélèvements qu'on le fait. Après, ça sera en bas dans les points d'eau qui sont chez les populations. Donc on relève pour revérifier toute la potabilité. Afin d'optimiser la gestion du traitement de l'eau, cette unité sera prochainement remplacée. Un investissement assuré par le projet Protège qui financera les travaux de 14 stations de désinfection à Thio, Ponérioin, Canala et Calagomène. Quatre villes qui se sont portées volontaires pour améliorer la qualité de leur eau de consommation. Pour améliorer cette qualité, il faut aussi maîtriser sa consommation. Si les gens surconsomment l'eau, il est beaucoup plus difficile de la traiter correctement en sortie du captage dans les stations de désinfection. Alors le projet Protège finance ces panneaux de sensibilisation de la population pour les périodes de sécheresse. Ces panneaux ont été installés avec la province Nord, dans la zone de Vauconnet-Pointe-Bout. Et ils sont sur le même principe que les vigilances feu. Ils visent à indiquer à la population les vigilances sécheresse et donc les vigilances qu'il y a à apporter sur la consommation d'eau. La qualité de l'eau est particulièrement importante pour fournir les centres de santé.
en Nouvelle-Calédonie, l'île de Maré, à 40 minutes de vol de Nouméa. Karine Saoumin, chargée d'études en eau de consommation à la Direction des affaires sanitaires et sociales, est notamment en charge du contrôle de la qualité des eaux utilisées dans les structures médicales. Alors là, on se rend sur l'unité d'hémodialyse de proximité de Tadine pour une visite de conformité des installations du centre, qui est donc un centre de traitement des patients insuffisants rénaux. Et là, mon rôle au cours de cette visite de conformité, ça va être de m'assurer que les procédés de pré-traitement et de traitement sont suffisants pour garantir la production d'une eau de qualité pour la production du dialysat. Et ça va également être de m'assurer que les procédures d'exploitation, de surveillance et de suivi sont présentes et qu'elles permettent une maîtrise globale des risques sanitaires liés à l'eau utilisée. Le centre doit prochainement accueillir des dizaines de patients et se situe dans le dispensaire du village de Tadine. Il sera géré par l'ATIR, l'Association pour la prévention et le traitement de l'insuffisance rénale. Karine fait l'inspection avec Olivier Hervé, le responsable technique des bâtiments. Il commence par contrôler les analyses réalisées sur l'eau. Une eau provenant du réseau public, mais qui doit subir des filtrations et des traitements poussés pour les protocoles de soins. Du coup, sur l'ensemble des résultats d'analyse que vous nous avez transférés, là pour le moment, pour bien voir l'impact des traitements et pré-traitements, donc j'ai juste sélectionné le résultat d'analyse de l'eau brute, donc c'est les résultats d'analyse physico-chimique de l'eau qui arrive du réseau d'eau communal. Donc ça, c'est avant traitement. Là, un résultat d'analyse au niveau de l'eau osmosée en départ de boucle, donc suite aux pré-traitements et traitements qui ont été réalisés sur l'eau du réseau communal. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir un abattement des valeurs sur plusieurs paramètres. Par exemple, l'aluminium, là, il était à 17,7 microgrammes. Là, on passe à inférieur à 1. Donc on voit bien l'impact du traitement et du pré-traitement sur la qualité de l'eau issue du réseau d'eau communal et on répond parfaitement aux exigences de qualité requises. Karine doit maintenant inspecter le cœur de l'unité de dialyse, les machines qui filtrent et traitent l'eau pour répondre aux normes de la pharmacopée européenne. La salle de traitement de l'eau avec le début du pré-traitement. Donc on a notre surpresseur qui va nous mettre le réseau d'eau en pression. Ensuite, le filtre à sable qui va faire un épurage grossier un peu de l'eau, tout ce qui est grosses particules. Ensuite, notre tableau de filtre mécanique à 30 microns, 10 microns, 5 microns. Ensuite, on a ici l'adoucisseur qui va nous permettre d'éliminer tout ce qui est minéraux, magnésium, calcium, etc. Ensuite, on a un fût de charbon actif en grain. Ensuite, on a notre dernier étage de filtration mécanique à 1 micron absolu. Et le filtre à 0,2 micron, qui est le dernier gardien de la santé des patients, puisqu'il va filtrer tout ce qui est bactéries, si jamais l'osmoseur a un problème ou une déchirure sur sa membrane. Alors, au niveau des structures d'hémodialyse, la qualité de l'eau qui va être utilisée est essentielle dans la mesure où l'eau va être utilisée pour diluer les solutions concentrées pour permettre la création du dialysat. Dialysat qui va ensuite être mis au contact du sang du patient et qui va permettre de l'épurer de toutes les substances toxiques et autres molécules d'eau que ses reins ne sont plus en capacité de traiter. Donc c'est essentiel d'avoir une eau de qualité pour ce type d'activité, pour ce type d'usage. Le centre se veut aussi exemplaire en matière de consommation responsable de l'eau. L'eau est un enjeu pour la Calédonie, pour Maré et pour la santé des patients. Et c'est pour ça qu'on l'utilise avec parcimonie. On essaye d'être le plus économe possible, c'est-à-dire qu'on récupère l'eau des toitures pour alimenter les machines à laver, les lavoirs, pour éviter d'utiliser de l'eau potable. À ce niveau-là, il faut essayer de restreindre cette consommation pour être le plus économe possible et écologique possible. Préserver la ressource, un enjeu capital pour la Nouvelle-Calédonie, qui souhaite également renforcer les dispositifs de sécurité sanitaire des eaux, comme le souligne Karine Saouna. Depuis l'élaboration de la politique de l'eau partagée en 2018 et la validation du schéma d'orientation en 2019 par le Congrès, la Nouvelle-Calédonie elle s'est vraiment inscrite dans une volonté de consolider le cadre juridique de l'eau de distribution. Et cette consolidation elle passe par une meilleure maîtrise des risques sanitaires sur l'ensemble du réseau. D'où la volonté de mettre en place les autorisations sanitaires de captage en amont, d'où la volonté de réfléchir à des attestations de conformité sanitaire
pour s'assurer de la conformité des matériaux et des traitements qui sont mis en place sur le réseau. Et d'où la volonté également de mettre en place ces fameux contrôles sanitaires avec des fréquences de suivi qui auront été réglementées et des listes de paramètres également réglementées. Renforcement des mesures sécuritaires, des réseaux d'adduction, sensibilisation des populations, le projet Protège accompagne tous les acteurs du secteur pour améliorer la qualité et la sécurité sanitaire de l'eau de consommation.